Papi, gen eto lo de la vie. Kuna balobi nini, kuna balobi nini. Awa balobi nini. Papi, gen eto lo de la vie. To lo de la vie. Papi, gen eto lo de la vie. Bonjour et bienvenue encore dans votre site www.tolobelavie.com et bienvenue encore dans yakatotonga.com. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager les deux sites, nazana tolobelavie.com, nazana yakatotonga.com. Yakatotonga yande konobiso Christian Kausoko. Aza basé à Grenoble, donc je vous précise encore, je suis à Grenoble précisément. Encore une fois, na yambe libino, monsieur Mathieu Ilunga, c'est avec lui que habitant tout ça là, masonaie, zaraka mingi mingi vraiment, bah précision. Hein, benga geloko ne loko na kombo na monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour tout le bel avis. Bonne santé, ça va? Santé, et ça bien. Donc, on ensemble à ça. Ok. Toko tambamo na masona biso, monsieur Mathieu. Information, toujours moi, si m'a moqué, après, toko rattrapé. Joseph Kabila, avant qu'il n'y ait pas de tour na Bakassai, partout. Mais, après, qu'il n'y ait pas de tour, le tour, on va comprendre la carte. Tout le monde a fait ce discours na ONU, mais tout le monde a but y a voyage na été. Voyage na été vraiment, et ça a été nini. Et qu'il a vraiment que ça la nini na ONU. Merci beaucoup, tout le bel avis. D'abord, je dis bonjour na baïnyo sur Balanda Kabiso sur tout le bel avis na Yakatotonga. Et je remercie les compatriotes d'avoir créé cet partenariat entre tout le bel avis. Na Yakatotonga ou Yakatotonga, c'est des concepts on a s'appelle la langue, c'est-à-dire Tozotonga pour Nakotonga. Et lingo le bâton vous êtes solo là, n'ayez ni beaucoup Tonga. Et Tolobelavie, ils ont les concepts il y a Tolobelavie. Tu vois, Yakatotonga, Yakatotonga, Tolobelavie. Et ça concept moko malam on a s'appelle. Maintenant, naza ko encourager travail vous allez comme ça là. Le journaliste Papigen, le journaliste Christian, naba technicien Nyonso Sima. Naba Landio Balandaka, Bisso, Natango Nyonso. Voilà, causons à la question. Ebi, ce qui, peuple congolais, toujours maîtrisé, histoire, na progression, étape à histoire, te, Tokomi se trouvait toujours dans brouille. Voyage à Joseph Kabila, na ONI, c'était pas prévu que Joseph Azala na ONI. C'était prévu que Cheikh Kitundu a représenté Joseph Kabila. Cheikh Kitundu, le quoi la ministre des Affaires étrangères. Maintenant, bah lobbyiste, il y a Kabila, bah ABC et que non, il fallait présence Neya et qu'on a la autre chose qui a payé ça message. C'était ça, c'était pas prévu que Joseph Azala. Mais tant qu'on a accueilli, quel est le message? Tout le monde a qui me souvient ce que message n'est qui vide. Il y avait d'abord forme. Ce que moi, la histoire n'a biso, tout le monde a Mobutu. En 72, à l'écart, Bané et Belé à l'écart, na tribune à Nations Unies, et bon, on a qui impact et bouge qui même Afrique. Bon, on a qui tant où il y a Laurent Désiré Kabila. Et n'a tant où il y a Bazaki Kokanisa Kézaki n'espoir. A Kende qui, qu'est-ce que ça avait donné? N'a oyaye Kokende, et Zaki vide devant délégation Naye, message de Zaki Nini, que non, cap est fixé pour l'élection et que démocratie est Zali na Congo. Voilà le message. Que non, deuxième mot clé, ils ont dit que non, le salami na Kasai, ou ils ont salami na Congo, ils ont dit terrorisme. A Benga qui ba Kasai, terrorisme. Message n'est pas qui n'est pas. Cap, ils ont fixé pour l'élection, que non, à sali conférence de paix,
Congo est menacé par les terroristes, c'est-à-dire les Kassaïens sont des terroristes. Voilà ce qu'il avait dit. Voilà, message Moussou Zakite. Et Dédé, Bitiao Bakindeki Zaki Pona, Bango Bala Kisanaoni Keno, et Zali, vrai Tokosa l'élection. Mais Pona tout ça l'élection, et Basengagi ba garantie, et pas communauté internationale, États-Unis par exemple, pour Bakote à la Conseil de sécurité, il a fallu ba garantie Keno, élection Tokosa Lama. Alors, le si Bango va lui tourner l'élection, donc respecter délai, mais Bango, il y a qui a voté Bango na Conseil de sécurité à ONU à Genève. Toujours par les lobbyistes. Azani, Kabila Zana, ba lobbyiste, ou Bazali, des partis démocrates. Ou Bagina, Bickington, ou Bagina, Barack Obama, c'est ces partis-là qui sont les lobbies derrière Kabila. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok, je crois que tout le monde va comprendre. Okay, mais est-ce que Namakambo et Nyoso, Namakambo tout au Salama actuellement au cannabis, est-ce que vraiment respect et accord, accord au Saint-Sylvestre, est-ce que vraiment, parce que tant baso accord et ça, c'est-à-dire signé qui est en Nyoso, est-ce que Monsieur Joseph Kabila a respecté vraiment accord, est-ce qu'il a respecté accord? Papi Gen, dans le baka, oui, tant au bateau bibale baso qui nous coyokana. Il faut bino batozo kende po boyokana boye bake tozo kende koyokana soki muto yo tozani en face soki ayok azali fidèle de makambo lobe lobe to sala sima Joseph yé pa lobe ki nazo kende koyok ko sala na opposition soki na kende ba ozala na ozana point B ndenge balobaka ozali na plan B na plan A Kabila zaki na plan A na plan B l'opposition zaki na plan ni e bazali na plan ni A ni B ni B bazali na ngote. C'est-à-dire na cadre on attend au pays pour la négocier nous avons déjà des plans que ceux qui sont libres on a reçu la boue mais non nous allons les voter et puis c'est qui nous boulou c'est-à-dire Kabila a intérêt il a respecté l'accord Kabila a intérêt il a respecté l'accord Kabila a intérêt il a organisé l'élection comment nous avons organisé l'élection déjà comme Kaya Kende c'est impossible Kabila bombé Kabila pillé Kabila faire entrer dans le Congo, des étrangers. Aujourd'hui, c'est l'étranger qui gouverne le Congo. Bazo pillé, Kabila a pillé d'une manière ou et quoi qu'on a expliqué. Mais le Kabila a millionnaire, a zoan bongo wapi. Nani, Zoé Kabila, a zoan milliardaire, a zoan bongo wapi. Mais le Saïdi, a zoan ababank, a zoan bongo wapi, pas comme un ababank. Et Moutouana, est-ce qu'a zoan intérêt à ça l'élection pour pas qu'on juge, pour na corruption, pour le détournement de fonds, pour la tuerie, pour la bacrime, à son intérêt, à Kendeki qu'on négocie, pour amener la commission à maintenir, pour la Kendeki n'a pas signé, ce qui va signer, le quoi va repérer ça là, et Kenaza le président, n'a qu'on changer le loco. Ça dit Kabila qui n'a intérêt, t'as là à quoi va signer qui? Va signer qui n'a quoi que Kabila Zala en place? Or, constitution n'a biso, et PC Kabila deux mandats, et que premier mandat 5 ans, deuxième mandat, et après, pas de mandat. Mais Bango Baye, tout solo là. Basololi, c'est très bien. Basololi, mais quand il y a Kabila Zaki qui respecte, tant que Basololi, il y a 4 accords Balobini. Balobini, que non, Tokozala, il y a gouvernement, il y a cohabitation. Et le gouvernement, il y a ministre, premier ministre, il y a une opposition. Tokozala, il y a 500. C'est ça, il y a un cadre de l'opposition fort. Et trois allemands semi suturés. Voilà les acquis de Mouan. Alors, ce qui est un tripartite, tu as vendu ce que Monique, Nicolas Rossel, l'élection de Zalate, tu as dit repoussé. Tu as signé dans l'Union. Quand tu as signé, et as dit que Kabila a salé le reste. Kabila a salé le reste. Aponi, tu as opposant, ou il y a Monaki. Aponi, Chibala, a commissé le premier ministre, Aponi, le Ngankoyi, a commissé le président Sensa. Et Nanga, le corps en accord, c'est qui est Nanga Zala, Nanga Zali. Si on a un bangoni, ça tout, dans la poche à Kabila, et bangoni, on a un bangoni. On a un bangoni, on a un Kabila, Joseph Kabila a besoin de l'amour. C'est-à-dire, on a un bangoni, il a commis maman Kabila pour appeler ses libérés. Que ma peuple congolais, basson, ba berceau, pour pas bandoler la Kabila. C'est vraiment de n'importe quoi. Si on a un bangoni, comme on a un accord, toutefois, ce qui. Élection salamité, Togogi Koyoka n'a pas tout poussé. C'est-à-dire, on a déjà dit, n'a toutefois, ma pousse à Nicole. Chibala, le premier ministre, a dit que non, le roi s'en approche à Kabila. Moyen tout ça, l'élection, le loi est athée, manque de moyens, manque d'aboué, ma paix s'abissot. Déjà, Nangazo Senga 504 jours.
Ça veut dire que ça va nous amener jusqu'à 2019. Mmh. Voilà Kabila a l'intérêt à organiser l'élection. Mais si quoi, je ne sais pas. Ma politicien, c'est-à-dire les opposants. Nous avons proposé Nini. Parce que quand on a reçu des boyés, on a dit que 504 jours on a payé. Parce que quand on a la mouka, on a 504 jours, ceux qui ont reçu des boyés. Alors, nous avons opposé, nous avons vraiment Nini. Nous avons Oui, moi, Nazali, opposant de la société civile. Bon, opposant. Voilà. Mais il faut être clair. Voilà. Moi, je ne suis pas derrière un homme politique. Je ne suis pas derrière un parti politique. Mmh. Je suis un militant de la lutte citoyenne. Mmh. C'est-à-dire, pour la Lelo, question de mes alliés, là, tout ce qui s'est passé, quelle est l'analyse il y a un homme politique congolais. Mmh. Et tous ces partis politiques congolais, Lelo, le Kazo, le Kana Congo, Lelo, les alliés, va transférer Bitumba Mounene aux Ezaki na États-Unis et y'en a Congo. Les États-Unis, au jour d'aujourd'hui, il y a la guerre entre les lobbyistes et les partis démocrates et Trump. Trump est le président des États-Unis. En face de lui, il y a des lobbyistes au Basali derrière le parti démocrate mené par George Soros. Et George Soros, c'est un grand milliardaire qui s'appelle lui-même Kazali président. Il est chef de l'État. Tripartite, c'est-à-dire il n'a pas d'État, mais il est chef de l'État. C'est-à-dire qu'il y a raison de mener où ils allaient alimenter des mouvements citoyens où ils ont besoin de nous. Où ils sont le cas. Dans le Congo, dans l'Europe, ils allaient George Soros. Entre autres, ils allaient organiser Open Society. Open Society, ils allaient fondation, il y a Soros. Cette organisation, ils allaient cofinancer tous les mouvements citoyens. Et Balina et Anamar, et Kokomana, Balé citoyen, na Burkina Faso, et Kokomana, Lucha, première, na Filimbi, et nous sommes là, Bazozo Mbongo, et pas George Soros. Or, George Soros, Azana Bitumba, na Trump. Pour la George Soros, Azoba que Trump Azali, escroc, hier il fallait, et tous à la monde ouvert, et Trump pour la Azoba que non, et Soros, c'est une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Maintenant, tu as la guerre. Si tu as Soros, tu as George Bush, tu as Bill Clinton, tu as Tony Blair, tu as Hillary Clinton, tu as Obama, et tous ces gens-là, ils sont derrière Kagame, Museveni, et Joseph. Et bien, il y a des gens qui sont là. Maintenant, cette guerre-là, ils sont mis en Congo. Est-ce que l'autre opposition, parce que Bangoni va financer Bango. Et c'est l'Open Society qui finance la Fédération internationale des droits de l'homme, où ils allaient piloter par Paulo Sapo. Paulo Sapo, ils allaient dans Filimbi, Filimbi, ils allaient dans Zulumi, Albert Zulumi, et Bangoni sera financé par Open Society. Open Society, ils allaient cofinancer l'association activiste africaine. Et Bazana Katuana, Bongo Zabatuan, et Bango, Josoros, Azala Liena Katumbi, et Bango Soba Trader, Yamone, et maintenant, est-ce que l'homme politique congolais, Bazoye Bate, Bitumba entre ces deux puissances, ou ces deux hommes milliardaires du monde, comment peut-on se positionner? C'est ça la question. Maintenant, Bissot, société civile, Toyebi Makamango, Tomoni, on a des propositions. Aujourd'hui, il faut Tokabola. Kabila lokola koki organiser élection te lokola opposition na Kabila ba bitumba batika place na société civile acha en place une transition sans Kabila. Cette transition na équipe ya batu o bazali na vocation politique te o bazali ambition politique te bazali ko simplement na ko organiser élection transparente libre et démocrate. Maintenant opposition ba cadre de opposition ba candidat ba se préparer na élection. Et majorité à Kabila va présenter candidat à Bango, va se préparer à l'élection parce que Kabila en opposition va ça de l'autre côté. Lelo, opposition à Zosel, Kabila a respecté l'accord. C'est quel accord qu'il va respecter? L'accord nous a déjà vidé de toutes les substances. L'accord, ils ont dit que l'élection est seulement en 2031. L'accord, ils ont dit que le gouvernement est là,
ministre, ministre 16, 6, il y a opposition, signataire de l'OIA, 6, 8, il y a rassemblement, 6, il y a société civile, ce qui 4, il y a MLC, l'affront patriotique, mais nous sommes les athées. Et c'est qui prévu qu'un accord va suturer, c'est nous. Ce n'est pas suturé. Et c'est qui prévu que c'est ça, et Zalana, un opposant consensuel. Aujourd'hui, Kabila Poni Poni, Bato, Oyalingi, Oyazali, la poche na bango, ba corromptible, ou ba corrompre bango, lelo, tokoki kolobate ke accord, Ezali, ba respecter accord, parce que l'accord n'existe plus. Voilà, je crois toza ko toza continuer ma soirée de sommet. Tout fondement ma parenthèse, moko ya. Il y a un déconabiso Vital Kamere, je crois. Habité. Acte au Vital Kamere à Sali. Ça y est, trop bien en stratégie. Il y a quoi. Ça y est, Alinga retiré. Il y a PC qui n'a gouvernement. Mais quand on a battu un camarade, naïe moko, comme on a Pierre Kangoudia, il y a boy à l'obéir faut Atikala. Habité. Jama yango, ce que pèse en mouto à Ebidiamate, à Rochana Bobo à Taliangoboy, le biais à Pembe. Mais ce que pèse en mouto à Ebidiama, à Kosimangoboy, à tourner yango, à Zara, à Loupa, tout ça en Mouinda, pour moi, à Yango, Bahang et Nosso, et Zalina Bafa, et Nabatache. Et c'est la même chose dans la vie politique. Vie politique, il faut, quand on a un côté de Nosso, on a expliqué dans la profane, on va éviter. Et c'est quoi les partis politiques? D'où vient le fonds de fonctionnement des partis politiques? Tout ça, on a France. Chaque parti politique, Azali, c'est une association. Il y a Batou. Donc, il y a Batou Mbongo, il y a Batou Bazalambongo, il y a Badera, il y a Batou Amayele, et Batou Nyonso, Moutou Namoutazo, mais il y a Kouazanango. Maintenant, tant que vous avez la cotisation. Chaque membre cotise, à son bicarte, à son cotisé. Et c'est ce fonds-là qui fait vivre une partie, un parti politique. Excusez-moi. Maintenant, tant le parti où on est allé concourir, il y a quelqu'un de cause au pouvoir, ceux qui battent une élection, ceux qui gagnent, battent des députés dans le bango, gagnent la législation, battent la majorité et battent belé dans la députation, battent un temps où ils sont allés, ils sont allés dans le bango, dans un dixième, il y a un bon salaire dans le bango, dans le parti, pour faire fonctionner le parti. Dans le parti, parti à Kotinda, bah administrateur et territoire, bah gouverneur, bah mandataire d'entreprise publique. Pour la bah ça là, maintenant bah ça il faut bah foutre un bon moko pour la baya. Maintenant pour Batinda yo, il faut dire moko zala, y a pas le baké non, moto yo, azali fidèle, moto azali malamu, tant qu'on kokende, arbando foutre un bon, arbando zongi ça, dit un dixième naie, na caisse ya fonctionnement. Maintenant tant les alli bah alliance. Ou bien, bah, corner, salamati boye, bah, le wiki, moutoutel, et batinda batou, bazo luka, bah, élément ya malam ya kotinda. Tant ou bah, élément bazo kende na mandat ya parti politique. Si, tozali na monde ya malam, et zale en France, au moni, jamais, tant tozaki awa, moutoumo kote ya parti républicain ou UMP, ex-UMP, a kokezo kende ko travaille na parti socialiste, c'était ce qui va yokanite. Et vice versa. Aujourd'hui, ce que Macron a battu à droite, n'a battu à gauche, c'est parce qu'il a créé le comme Soussou, Oezali et les Timostres sans Moutou. Mais tant que le parti Ezali qu'on travaille ensemble, tant que vous déléguez dans le cadre du parti. Et tant que vous êtes le parti de Maoza a droit et a causé un Issaï. Ça, je voulais simplement expliquer le fonctionnement des partis politiques. Parce que toujours quand vous avez maîtrisé, vous avez n'importe quoi. Ça veut dire. Et Vital Kamere et Likambo Asali, pour moi, ça fait partie des tactiques et des stratégies politiques. Et des grandes stratégies politiques. C'est-à-dire, tant que vous êtes là, 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 vous êtes là,
toujours négocier, toquer la dialogue pour tout le tout le monde la organisation et élection. Tant que Monique est invité, le roi est invité, il est invité, il est invité, il est invité. C'est ça ce que Vital Kamerhe a voulu faire. Or, la carte est partie, il est invité, fidélité, na ba idéologie, na bango, na ba engagement, na ba politique. Au Congo, on n'a pas des hommes politiques. Tozali na ba commerçant, na ba bato baza koluka positionnement politique. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est un acte d'une haute importance. Action moga mounene, et Vital Kamerhe sali, ndenge mokona action oyo, président Félix Tshisekedi a sali pendant Lubumbashi. Si quoi Donald Trump n'habite position et à États-Unis pour na Congo, est-ce que vraiment baza prêt pour les changements au Congo? Tout balingi ba dribler na bango bisoka parce que na tango mobutu to monaka envoyé moka kitaka. Tant que tu envoyé wana, à me mettre mon bout de message. Message au bisous, c'est un message wana. Vous avez que non, en tout cas, ndeko tika. Le nom, il y a un temps où tout ça, la bouillée. Madame Niki, donc envoyé encore, envoyeur à Kiti, le nom, pona, à me mettre un message. C'est comme message au yé à Kiti pour à Pessa et pas ya Kabila. Est-ce que c'est un message pour un changement à Congo? Deuxième message kaka ya kiboudi kaka nde ba les obeta mana désordre kebo. Merci beaucoup Papi Gen, parce que naoki aux journalistes à solo okay, ko luka d'abord le passé et salama ki na tango ya Mobutu faut tout comprendre le présent et tout mon avenir. Maintenant il faut tout côté ça peuple congolais na conteste na tango Billy Richardson ayaki ko pesa Mobutu message. Pourquoi a-t-il coupé ces messages? Pourquoi cette période-là? Dans cette période-là, le président américain, Wilkington, a salué le discours à l'lobby, l'Afrique ne peut pas être précaré français. Elle doit être ouverte à tout le monde. C'est-à-dire l'Afrique doit être ouverte à tout le monde. Société, open society. Tu comprends? Open society. C'est-à-dire l'Afrique doit être ouverte à tout le monde et ne peut pas être le précaré français. C'est-à-dire la guerre était entre les États-Unis et la France. Après la chute du mur de Berlin, il a fallu maintenant que les États-Unis redéfinissent sa politique africaine. Et aussi mettre la main sur les richesses sous-sols de l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique, le Congo, qui est les réserves mondiales de beaucoup de matières premières, même stratégiques. Aujourd'hui, on parle de terres rares. Quand on parle de terres rares, c'est des choses qui sont dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans même avions, c'est ces matières-là, les coltan. Il y en a d'autres produits. Mais là, la Belgique, quand elle avait laissé ce terrain-là à ses alliés, et cette fois-ci avec la chute de l'mur de Berlin, les États-Unis ont voulu récupérer et se positionner en Afrique. C'est pourquoi, comme la mur de Berlin était fini, Mobutu n'avait rien à donner aux États-Unis. Mobutu n'avait rien, il a fallu redéfinir avec des gens nouveaux. C'est pourquoi on a envoyé Richard Wilson pour lui dire que Mobutu, tu dois partir. Or, Mobutu, il avait servi les États-Unis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours les mêmes intérêts ou il y a autre chose? C'est ça qu'il faut. Le peuple n'a pas de problème. Le nom, le même gouvernement Wilson et Salité et Sili. Et Bernard Mobutu, et Bondissi Kabila, le père Laurent Désiré Kabila, et soutenir Joseph Kabila, via Rwanda, na Burundi, via multinational ou ba milliardaire, on a aussi Koloba, autres. Voilà, et Zali Pipoana, et Zali Clinton, et Tony Blair, et Bernard Kouchner, et tous ces gens-là, Zali Nakati Asimaya, Parti démocrate. Tant que Bigiton à Longwe, et tout le monde a dit nani azaki Barack Obama. Tant que Barack Obama a salué, il n'a rien fait quelque chose de l'Afrique. Aujourd'hui, Trump a eu. Qui est Trump? Trump n'est pas un homme politique. C'est un milliardaire. Et il est venu avec sa vision à lui. Or, aux États-Unis, c'est d'abord les intérêts des États-Unis. Est-ce que les intérêts des États-Unis au Congo ont changé? Est-ce que Kabila a changé les intérêts ou il répond aux intérêts des États-Unis? C'est ça la meilleure question. Mmh. Maintenant, aux États-Unis, il y a la guerre entre les réseaux et lobbies démocrates soutenus par George Soros
qui a financé les élections de Bill Clinton et Hillary Clinton, qui a financé les élections, qui a financé les élections d'Obama, qui a financé les élections de Bill Clinton, qui est contre Trump, parce qu'il dit que Trump c'est un escroc. Et Trump lui dit, qui est le président des États-Unis, dit à George Soros que lui c'est un menace pour la sécurité des États-Unis. Or, c'est Trump, c'est Soros aujourd'hui qui a tué une grande réseau en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest qui finance tous les mouvements que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a la guerre entre Trump et Soros. Et maintenant, nous sommes dedans. Il fallait maintenant que nous, on sache de quoi est-ce que celui qui est venu, il faut savoir qu'il n'est pas secrétaire d'État. Parce qu'aux États-Unis, il y a un problème pour avoir un secrétaire d'État américain. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas laisser la main à Trump de nommer celui qui peut nommer. Et maintenant, celui qui est venu, elle est d'origine indienne, elle est ambassadrice des États-Unis à l'ONU et en même temps représentant de Trump. Est-ce qu'il a dans le même discours avec le Parti social-démocrate où il est la voix de Trump? Est-ce que Trump, il est prêt à défendre ses intérêts à lui tout seul ou il est prêt à défendre les intérêts des États-Unis au Congo? Voilà la question. Ça veut dire que la guerre s'est déplacée aux États-Unis et dans l'Europe pour venir maintenant en Afrique. C'est comme dans la Première Guerre mondiale. Il y a eu des choses qui se sont passées au Congo que les gens n'ont jamais compris. Que la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, s'est passée aussi au Congo. Il y a eu des choses qui se sont passées au Congo. Il y a l'uranium que la Belgique a donné aux États-Unis qui a envoyé les bombes à Hiroshima, qui a arrêté la guerre. Il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, maintenant, il y a la guerre financière entre les milliardaires, entre le réseau George Soros et Trump. Maintenant, nous, les Congolais, il faut qu'on définisse notre position. C'est-à-dire, le message aujourd'hui, c'est lequel? Le message qu'il est venu donner, ce n'est pas le même message qu'on avait donné à Mobutu. C'est-à-dire, il y a un message à Kiboudi, pour nous faire endormir. Ce qui est réellement intérêt américain, mais non intérêt américain, ce comme les États-Unis, des réseaux et des mouvements citoyens financés par George Soros étaient en marche. Il y a eu des femmes qui ont marché contre Trump. Il y a eu des mouvements aux États-Unis. Et tout ça, Trump a fait un réseau puissant de mouvements citoyens, de tout ça, pour lutter contre, contre Trump. En même temps, il vient nous dire en Afrique que non, il lutte pour la transparence, pour la démocratie. Et c'est lui qui a financé toutes les révolutions orange qui se sont passées. C'est Soros avec Open Society, avec beaucoup de réseaux qu'on connaît bien. Maintenant, le problème, c'est que le message n'est pas tellement clair des États-Unis. Et on ne peut pas entendre rien de ces messages-là. Toi, le message de Togo Yokate, le peuple congolais, il faut tous avoir besoin, il y a transition sans Kabila. Voilà ce que nous voulons. Ou bien, c'est sûr que Kabila l'ongoa. Et les 31, ben, c'est sûr que les 31, ceux qui et le causalité, parce que c'est impossible. Les 31 élections qu'on salamate, c'est impossible. Et les lots, ben, c'est sûr que Kabila a préparé de par Naye, transition et salam sans lui. Voilà le message que nous avons besoin. Mais pour Nato Silissa, nous avons tout le monde. On répond après au lobby, moi, du Lobasso, quand on est tout en caméra, dans le lots, pour Nato, c'est Nato. Les lots, Kabila les sociétés. Naba kombo nyoso oyo yebi pone abso kombo moko oyo toko pesa échange comme président de la République. Non, merci beaucoup. Je ne peux pas répondre à ces questions-là parce que Mouto comme président de la République, c'est celui qui se présente devant les yeux. Est-ce que pour le Mouto nyoso sentir que Rosa la. Non. On a les lots, nga nazo lots qu'on a présenté qui est tous à la na. Transition sans Kabila pour nous préparer l'élection. La transition en a, pour nous là, ils allaient mener par un homme crédible comme Mukwege, docteur Mukwege. Ah, mais ma transition, où est-ce qu'on prépare l'élection à Batou? Mais Batou en a, il y a maintenant un programme, programme de société, où il y a un peu de voter. Mais Batou, Namoni Moutouté, Bilongi à Batou, Namoni Yango, mais il y a besoin de Bilongité, tu as besoin d'un programme crédible et programme où il y a qu'on change Congo, tu as besoin de Bilongité. Tu as besoin d'un programme. Toutes ces interventions, c'est aussi le peuple congolais, nous voilà partout au monde. Partout au monde, le peuple congolais, on a aussi le peuple qui est voilà, Tomoni. Tomoni Nyonso. Tomoni dialogue à Oya, Tomoni dialogue à Saint-Sylvestre, et bien, c'est le voté. À chaque fois, Kabila
ma pesa qui est babeki et pas opposition na biso lelo opposition na et mis arrangé à koboko la koboto la kabila babeki ndenge babandaki le kola action au Félix Tshisekedi ya salaki na katanga pour la collecte na face du monde que kabila makambazo isabine za lukuta eza démocratie eza te na Congo et loko eza te ana besoin te ya kosala élection, et ça bien, l'action Kamere à la Kisike, oui, il n'est pas du côté de Kabila, a retiré Batounaye. Parce qu'à Tchaki Batounaye, que Batouana, Bakéi, n'a combat parti. Mais le Kolaboy, Bami s'est retiré, Lelo, et Basangana, Bangonyoso. Va réfléchir, et le Kouni Kosala. Mais peuple congolais, Tobi Mana, Batouana Nyoso, Tosala, unité n'a biso peuple, Tosenga, une transition sans Kabila. Parce que la opposition, n'a ajouté à Kabila et l'autre est commis mesaté. Parce que, dans le cas, Kabila a respecté l'accord. L'accord, on a respecté et il y a quelques mois. C'est-à-dire, bah, c'est 3 ans. 3 ans, Kabila a préparé l'émission de Makamoumoussous. Alors, vous voyez, Kabila, Longwa, et l'opposition, va se mettre à côté, tout en place une transition. Il y a un bateau basé en ambition politique. Il y a un bateau basé en préparer élection crédible, transparente. Un bateau basé en intérêt, il y a un intérêt, il y a un peuple, il y a une alternance au Congo. Alors, l'autre message, il y a un bien la diaspora congolaise. Le moni, il y a un réseau financé par des milliardaires, Bakéi, je cite, il y a un amar, Ezali, fonds, il y a Open Society, financé par George Soros. Il y en a marre, ils allaient dans le ballet citoyen, il y en a marre dans le Sénégal, ballet citoyen dans Burkina Faso, et il y a un peu dans le Lucha. Lucha est un bandit dans Kivu, il y a un Pierre Lumbi qui était dedans dans cette société civile. Et bon, moi, qui ambassadeur des États-Unis au Sénégal, ils allaient dans le Konabiso, Toulouni, Loisan, de Konabiso congolais, mais Azali, américaine, ambassadeur au Sénégal. Pourquoi est-ce qu'il y a au Sénégal, na île de Corée? C'était toujours cet réseau de Soros et Sangisi, tous les mouvements citoyens, où il y a Azali comme Anadie. Le lot, tant au Baouti, Kinshasa, Baéa, Tomona Kibango, Finimbi, Baloucha, Batutu, Baélisé, Tomona Kibango, financé par les mêmes réseaux, même Fédération internationale des droits de l'homme, il y a Paul Sapo. Ils allaient financer par George Soros. Mais pourquoi Balinga quitte Kosolorana diaspora combattante? Parce que vous avez que diaspora combattante, vous allez na clair à certaines choses. Ce que vous bandit au Bunda, awa, na ba institution na bango, vous bandit au Bunda, na ba parlement na bango, vous bandit au Bunda, na ba sénat na bango, et kocha bango mouboulou. Il fallait battre de coco sabatou au Balanzala. Je vous appelle maintenant à s'organiser citoyennement, sans coterie, sans parti pris, sans derrière homme politique. Tenu s'organiser pour créer une alliance citoyenne congolaise. Eux, Toko Zalanango, pour la copéser, pour créer un rapport de force. Et aussi, se mobiliser pour la Kobenga, une transition sans Kabila. Parce que dans 2 mois qui nous restent, il n'y aura pas les élections. Ce qui Kabila a nommé Félix Tshisekedi, Premier ministre, a nommé Yé, et Félix Tshisekedi, Kabila Rosala président. À cause d'un ministère de la Défense, à cause d'un ministère de l'Intérieur, à cause d'un ministère de l'Économie, à cause de changer de gouverneur, à cause changer d'administration. C'est-à-dire, et que nous Nicolas Bélé, vous mettez ça la transition sans Kabila. Et Félix Tshisekedi, Naba Katumbi, Naba Onyoso, Bafayou, Bangonyoso, va se préparer aux élections. Tondi Manam, une transition sans Kabila. Et parti politique, leader politique, va s'organiser pour l'élection. Mais maintenant, crions-nous tous. Mettons-nous debout pour dire les transitions sans Kabila. Pas autre chose, transition sans Kabila. Voilà ce que je peux dire comme message. Voilà, merci, je crois. Monsieur Massi Lunga, Azaki Claire, il y a la réponse d'un bisou parce que tu vois qui est moi. Nicolas, Azaki, vite fait pour tout à moi le point sur les I. On a Makambo tous les cas. Donc restez connectés. Nabaki, les lots nous ont joué. Entre les deux sites, nous avons joué na tolobelavie.com, nous avons joué encore na Yakato Tonga. Donc, ils ont toujours des moyens. Un grand merci à Ndekonangai Christian Kausoko, vraiment un grand merci et plein de bonnes choses na yo. Aucun déliboso. Restez connectés na Basit Nabino. Tous avons un rapport Nabino. Merci.